Hey, kiki mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Richissime Archéologue. On retrouve notre petite Iowa là où on l'avait laissée, dans son jardin, content de vivre et tout ça. Évidemment, il va se remettre un peu en forme là. Voilà, on est mardi soir. Ah oui, on est au soir, donc c'est pas grave. Il va passer sa petite soirée chez lui et on ira eh ben, faire le grand retour dans la jungle, évidemment, après avoir visité Sixem et l'espace. Les temples, c'est vraiment, c'est le nerf de la guerre pour Iowa, hein. Il ne vit que pour ça, donc on y retourne. On va envoyer la masse de choses au conseil de géologie pour éventuellement avoir notre petit élément qui nous manque, puisqu'il nous en manque qu'un seul dans cette collection, donc c'est un peu. Voilà, c'est un peu rageant, mais c'est comme ça. Il y a encore une tonne de trucs à découvrir et on va aussi ouvrir. Ah, polir. Tu vas polir les je crois que je les ai jamais Yes-y. faites, les géodins. Bon, j'ai récupéré ce qu'il y avait, donc tu vas polir tout ça, apparemment. Il faut juste. Voilà, il a rien à faire, quoi. C'est automatique comme ça. Bon, bah voilà, il a la collection complète des géodes. C'était pas forcément voulu, mais voilà, on les a toutes. Ah oui, puis c'est joli. Bon, je l'exposerai quand même dans sa future grande maison, son manoir. Donc, si vous saviez pas la collection de géodes, il y a que 6 géodes à récupérer. Et un seul voyage à Sixam, ça m'a suffi. Regardez, les aurores boréales sont toujours là au-dessus de notre île. Oh là là, quel pied. Quel bonheur. 3h30 du matin, lui, il se dit, oh bah c'est la bonne heure pour se lever. Au moins, il sera pas à la bourre pour partir en vacances, moi je vous le dis. Voilà, hein, je sais que vous aimez ça. Que vous aimez qu'il n'y a pas la danse, vous râlez dans les commentaires. Un petit peu de Simrumba et après, c'est parti pour la jungle. Ah oh oui, ah oui, ouais. Oui, tu es beau. Oui, on le sait que tu es beau. Tu bouges un peu ton boule, s'il te plaît? Parce que là, il va y avoir des plaintes sinon. Hein. Ouais, bah voilà, suffisait de demander. Oh là là, quelle grâce! Oh là là! Un oiseau! C'est un oiseau, cet enfant. Et bah, du voilà de retour dans notre petit cabanon qu'on a l'habitude, hein. Oh, bah voilà, super, tu vas pouvoir commencer à creuser puisque bah, il nous reste toujours un truc de calcaire à trouver à Salvadorada. Donc allez-y, allons-y quoi. Et puis on va bien sûr se mettre à attaquer le temple hein, parce que bon, on n'est pas venu pour rien. Moi en attendant, je check ce qu'il y a à checker ici. Bon, bah toujours les sites de fouilles qu'on avait créés mais qu'on ne fera pas. Et puis bah tu vas te frayer un chemin à la machette. Évidemment, maintenant il a son petit vélo, donc ça va aller beaucoup plus vite pour aller à l'autre bout de la jungle. C'est parti pour rentrer dans la jungle. Et soudain, des paresseux. En avançant dans la jungle, Iowa entend du bruit. Il lève la tête et voit un groupe de paresseux qui l'observe avec circonspection. Doit-il chercher un autre chemin ou marcher avec les paresseux? Charisme élevé. Allez, charisme élevé. Iowa est convaincu que les paresseux ne verront pas comme une menace et se joint à leur groupe en marchant. Il suscite la curiosité des paresseux qui le suivent en se balançant dans les arbres. Pendant cette promenade avec les paresseux, Iowa remarque une relique par terre. Yes! Bien joué! Oui, il nous faut les reliques, quand même. Mais franchis, Jean-Claude, là, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais t'es bête ou quoi? Mais dans l'inventaire, alors? Et franchis? Mais alors? Mais Iowa, mais franchis pas avec ton vélo! Ah bah dites donc, mon vélo! Mon vélo! Bah si, il a franchi avec son vélo. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme relique? Ce serait trop cool d'avoir une Palampal So. Ah, c'est une base de relique. Bon, c'est pas grave, c'est toujours mieux que rien. Touk, ici, bah on peut pas y aller. C'est trop du caca. C'est trop du caca, là il y a un petit serpent qui passe, on est content. Regarde ton vélo, hein, mon petit, parce que là on va aller bah, directement ici, parce qu'on n'a pas trop le choix. Il n'y a rien d'autre à faire, donc go. Allez, c'est parti. Eh ben on est encore avec des paresseux. C'est n'importe quoi. Allez, on va encore faire ça. Et encore une relique. Allez, go. Bon, ils vont encore me faire le coup avec son vélo, là? Bah oui. Et on a récolté une tête de relique de Totekayama. Donc bon, c'est pas ce qui est le plus intéressant pour nous. Nous voilà ici. Là, tu peux venir ici creuser. Et puis, bah là, c'est la porte du temple, donc on va y aller tout de suite. Et c'est parti pour le temple numéro 1 de la semaine. Bon, ça suffit que les paresseux, au bout d'un moment, non? Culture salvadoradienne, allez. Iowa pense à commence à faire du bruit tout en se dansant dans une danse locale dans l'espoir d'attirer les lucioles pour les éloigner des paresseux. Ah, c'était avec les paresseux. Enfin, les. Ah!
c'était avec les lucioles, donc. Cela fonctionne! Les lucioles sont perturbées par cette silhouette qui s'agite au-dessous d'elles et s'en vont. Un peu plus tard, un cristal tombe des arbres. Iowa lève la tête et croise le regard d'un paresseux particulièrement amical qui lui fait un clin d'œil. Oui, j'espère que c'est un cristal qu'on n'a pas. Et nous voilà au temple! Alors, qu'est-ce que tu nous as récolté comme cristalouche? Bah, pas grand-chose hein, qu'on ait déjà, je crois. Après, il y a tellement de bordel. Yes, on a reçu une Amazonite. Nous voilà au temple du jour. Qu'est-ce qu'il y a à faire d'intéressant? Je ne sais pas. Ah, bah déjà, tu vas venir ici creuser. Voilà. Tu vas venir ici creuser également. Il y a une petite pistouche. On pourra se faire une pause trempette cacahuète. Et puis, bah, bien sûr, il va ausculter les choses à ausculter, c'est-à-dire examiner ceci, examiner cela. Et tralala. On a récupéré un alcron, qui est donc un métal. Je verrai pour extraire des éléments. C'est tout ça d'ailleurs. On a récupéré pas mal de trucs intéressants, hein, ne serait-ce qu'à Sixam. Puis quand on reviendra à la maison, on retournera à Sixam, évidemment. Deuxième examen sur le premier. Il en a vu que un seul qui était un peut-être. Il y a trois noms et un peut-être. Donc on va voir ce que dit ça. Vous connaissez la chanson de toute façon. Maintenant ça fait je ne sais. Je sais même pas combien de temples on aura visité en tout sur son challenge. Hein? Je sais pas si vous le faites de votre côté. Comptez le nombre de temples que vous avez visités. Je pense qu'on pourrait faire un petit concours intra-challenge quoi. Alors il a trouvé. Ah, donc assembler les glyphes de tête de flèche. Ça c'est cool. Vas-y go mon petit. Yes, c'est good. Et ça va s'ouvrir. On pourra découvrir le reste du temple. Ta-da-da-da-da-da. Oh mon dieu. Iowa a décidé de fusionner avec un mur du temple. Il a tellement le temple dans la peau qu'il a envie d'être faire partie de la peau du temple. C'est beau ce que je dis. Alors, rien ne va pour celui-là. Il n'y a rien qui est bon. Donc, ce sera forcément un de ses squelettes. On est dans les espèces de petites antichambres là au bout du couloir. Vous savez, hein, on a déjà fait déjà ce temple quelques fois. On connaît un peu. Je pense que j'ai fait le tour. Je les ai tous vus. Alors, qu'est-ce que tu as découvert? L'arme du guerrier de. Du milieu, je veux dire. Youhou! Ça c'est good! Ça c'est good! Oh! Premier trésor, je t'invite à aller le chercher, puisque tu l'as mérité. Tu vas ensuite examiner ça. Oh! C'est électrique ici. Tu vas examiner ça, tu vas examiner ces petits squelettes là. Et examiner celui-là. Voilà, ce sera déjà pas mal. Il est content! Il a eu des trésors! Qu'est-ce que t'as récup? Une relique de Zazatotl. Il nous faut encore finir eh bien, les reliques, outre l'espèce de calcaire qui nous manque de Salvadoralien. Alors, sur les guerriers, il y a un nom et deux peut-être. Donc, on espère que ce soit un de ces trucs-là. Hein. Et aucun déclencheur là. Ah, il va falloir qu'on risque sa peau ici. Bon, comme je me suis déjà fait troll plein de fois, je m'étais dit que c'était jamais la même chose, bah écoute, tu vas faire celui du milieu, puisque. Ben, la dernière fois c'était celui du milieu tout à l'heure, donc on va refaire celui du milieu, on verra bien. Bon, bah c'était pas bon. Allez, il a esquivé compétence bricolage, très bien. Voilà, bon, bah, des fois le jeu me troll, des fois il me troll encore plus. C'est vraiment un bâtard ce jeu, hein, quand même. Ici, qu'est-ce qu'il y a à regarder? Il y a à faire quoi? Bah, rien. Ah! Bon, on est déjà à la fin du temple. Ok, bah, ça a été rapide en fait. Ah, il n'y en a qu'un seul de trésor. Bah, j'espère qu'il y a de la relique, tu vois. Ce serait cool. Allez, mon beau. Pousse, pousse. Yes! Exploration du temple terminée à 16h30. Il a donc gagné une perereca rayée en quartz et en or, une perereca jaune pousse en saphir et en or, et une base de reliques de la mort. Bon, ça n'a pas été le temple le plus enrichissant qu'on ait pu faire. On a reçu trois grenouilles, mais wesh! Sachant qu'on a déjà toute la collection, donc c'est pas. Voilà, c'est pas indispensable. Hein. On a reçu un koutal à identifier, une autre base de reliques, et puis c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. Allez. Quoi? Mais quoi? Oh non! Oh non, il est redevenu un.
est redevenu un squelette. Ayo a reçu une bénédiction consistante à devenir un squelette. Cela ne durera pas longtemps. Il devrait faire attention à ce qu'il mange car il ne semble pas avoir d'estomac pour accueillir de la nourriture. Mais pourquoi? Qu'est-ce que... Mais t'as... Je ne comprends pas. C'est une bénédiction. D'accord. Ok. Voilà, bah écoutez, Iowa, le sexy man, ne ressemble plus trop au sexy man. Mais il a l'air ridicule. Oh non! Bon, écoutez, on est au bar, on va aller dire bonjour un peu aux gens qui sont là. Bonjour mademoiselle. Voilà, et puis, attends, il est marqué quoi? Effrayé avec son apparence de squelette? Moi, j'ai envie d'essayer. Je suis sûre qu'il va nous faire des conneries. Et qu'il est bête, Iowa. Alors, qu'est-ce que tu vas lui faire à cette pauvre dame? Qui t'a rien demandé en plus? Ah, bah oui, c'est tordu le cou, cet idiot. Mais c'est pas Halloween, Iowa, quand même. Hein. Bon, en tout cas, c'est un beau squelette. Il est joliment coloré. Alors, ce qui me fait rire, c'est que j'ai sélectionné l'interaction frimée en montrant ses muscles, sachant qu'il en a pas. En tout cas, on les voit pas. Et s'entraîner à se battre. Je ne sais pas du tout ce que ça fait et pourquoi il y a entraîné à se battre. C'est. On verra bien. Ah oui, donc ils se battent, ils font de la baston, quoi. Ok. Et elle t'a cassé la gueule! Oh non, Iowa! C'est trop nul, t'es trop nul. Bon, il y a de la concurrence au niveau de la sim Roomba, là. Il y a ce monsieur qui ondule. Mais Iowa ne s'est pas avoué vaincu, là. Regardez là. Enfin, regardez-le plutôt. Oh là là, ce déhanché. Oh là là, ce bassin. J'espère que vous appréciez, hein. Parce que, bon, même s'il est tout de squelette vêtu, ça reste notre Iowa chéri qui danse et qui se déhanche. Du coup, vu qu'il a, il est très bien, qu'il n'a pas envie de manger, pisser, dormir, et ben, il va bosser sa logique à mort. On va en profiter qu'il ait ce petit apparence de squelette et cette bénédiction qui est un vrai cadeau des dieux. I am the gift. Ben, pour avancer tout simplement sur sa compétence, puisque au niveau... Oui, arrête de faire l'idiot, je t'ai dit. Niveau logique, on est au niveau 9.30. Le fitness, j'avais pas vu, on a 1% du 100% là, du niveau 10. Mais c'est incroyable. Bon bah en tout cas, il va bosser sa logique quoi. Wow, 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 ça y est. Bah oui, mais non, mais main verte, on le savait. Mais il nous a mis, il nous a tapé le... il va nous faire tous les niveaux 10 que l'on a. Le niveau 10 en fitness. Bah oui, c'est vrai, j'ai oublié que le vélo faisait travailler son fitness. C'est pour ça qu'il avait bien augmenté. Bon bah il reste que la logique où on est à 9,5 pile à 9,51. Donc c'est trop cool. Voilà, au niveau des objectifs, des compétences, en tout cas ce sera bientôt rempli. Il manquera plus que les collections quoi. Ah, il a trouvé un fossile. Je veux que ce soit le fossile qui nous manque, je t'en prie. Oui, Iowa, si tu veux. Vas-y, fais-moi un fossile, une empreinte à 3 orteils. Ah non, je pense pas que ça marche. Et non, on n'a toujours pas le dernier fossile commun en plus qui est à Salvador. En plus, il est censé être commun, c'est abusé. Voilà, c'était Iowa le débile qui fait la mumuse avec ses noces. Voilà. Évidemment, hein, qu'on soit squelette ou pas, hein, on pense à la sécurité. Hein, en vélo, on met notre petit... Eh ben, notre petit casque, ça nous évite de nous casser la tête. Ou le crâne, en tout cas. Du coup, bah, on va continuer sur la lancée. On va se remettre doucement à la logique. Monsieur avance doucement, hein, parce qu'il arrête pas de faire mumuse avec ses os. Donc 64%. Il en a encore combien de temps d'être squelette? Ah, 11 minutes. Ah oui. Ah, ça va faire mal, hein, parce qu'il va être fatigué, je pense, l'animal. Allez, c'est fini. Rétablir l'humanité. Et voilà, il est redevenu comme il fallait. Et il a quelques petits besoins, donc on va s'en occuper tout de suite. Hein. Madame, on va vous commander à manger un edamam, voilà. Et puis il ira aux toilettes là où il pourra. Je crois que c'est genré, je sais plus. Et puis c'est ça ensuite. Je veux pas être méchante, mais l'edamam, c'est ouvert comme ça, perso, ça me donne pas envie. Hein. Bah alors, Iowa. Qu'est-ce que tu dragues les demoiselles dans les bars à Salvadorada quand même? Coquin, va. Ah, c'est une jolie rousse. On va pas se cacher. Hein.
Ben quoi? Il avait la flemme de rentrer chez lui pour se dormir. Il s'est dit, oh non, mais c'est bon là. Pff, je vais dormir à la dure, un petit peu une petite sieste sur le banc. Regardez, même ses pieds, ils volent. N'importe quoi. Allez, tu vas aller cueillir un petit peu les trucs qu'il y a aux alentours. Et puis on verra en croisant les doigts que ce soit au moins un calcaire, au moins un cristal qu'on n'a pas. Ce serait cool. Oui, un calcaire, fais-moi rêver, Ayo-Watt. Ayo-Watt, what? Tu vas l'ouvrir. Une mâchoire de crocodile. Bah non, toujours pas. Un diamant. Bah non, on avait déjà. Allez, dernière chance. Allez. Que les dieux des cristaux et des éléments et du calcaire viennent en mon aide. Oh bon, qu'est-ce qu'il a récolté? On sait pas, puisque le jeu ne nous le dit pas. Est-ce que c'est encore un truc de calcaire à ouvrir? Bah je ne vois pas. Donc peut-être que c'est rien de tout ça. J'en sais rien du tout. Bah écoutez, il a peut-être rien récolté. Et il fait le gogol sous la flotte. Très bien. Aura-t-on plus de chance avec celui-là? Ce serait trop bien. Dis-moi tout. Une émeraude. Bah non, c'est raté. Bon allez mon chou, tu as faim. Tu vas aller commander à manger des pognuelos. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et go. Et c'est sur cette image d'Iowa qui mange que moi je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Voilà, on a déjà fait un temple. Je pense que le prochain ce sera encore un autre temple. Tout en essayant de choper les cristaux et calcaires qui nous manquent. Et puis je vous fais très gros bisous. N'hésitez pas à partager ma chaîne et l'épisode sur les réseaux sociaux. À très bientôt. À la semaine prochaine pour la suite du Richissime Archéologue. Ciao.